Hello, everybody. Okay, actually, I had slides. I didn't load them, but they're not really worthy. Just my name, and that's it. The whole talk is going to be just a demonstration of what is the Spark Notebook. Not Spark itself, but what you can do with Spark Notebook with Spark. So Spark Notebook is simply a web application where you can type code that will run on Spark. That's more or less it. It has some features for visualization and so on, and I will just show how you can bootstrap your work with Spark in 5 or 10 minutes, let's say. The easiest generally is to use Docker. It's not the most convenient way if you want to tune it, because you know Docker is a bit constrained. It has to be, actually. So you have to tune it a bit in order to make it working on different clusters, or if you want to expose some ports. However, you can contact Sam. He did a lot with him. Anyway, so for building the Spark Notebook, I created a website. Why? Because actually, Spark Notebook and Spark actually is very sensitive to the Hadoop version you're going to use in your cluster, right? And there are so many Hadoop versions available in the world right now that if I have to build all of them, it would take me weeks. So this guy can take some parameters and it will either provide you the information to download the distro, how it will build it, and then send you an email in order to use it. And I cannot see my screen. Okay. So just to have the callback when the build is done if it's needed, provide your mail, Docker, and the classical default Hadoop version in Spark. And it's when you don't use HDFS, because you don't have to use HDFS when you do Spark, is this guy. So now it's checking on S3 and on Docker Hub if the distro is available. It is. So I can directly pull it, but I won't do it. Otherwise, it would take quite some minutes to do it. I already pulled it, so I can copy the next line. And you know what? There you go. A lot of images out there. And the O4 is somewhere around. To start it, so Docker run exposing the Play port, because it's a Play application, so 9000, and export it from Docker to the local host so that I can connect to the UI here. So as you can see, it's just a simple page. And since I want the people and I give really training and support and consultancy to startups, they always want to start really quickly. And to do that, I created a bunch of examples using different APIs, like the core one, of course, but also some machine learning stuff using Random Forest in the MLlib package, some SQL examples, streaming for Twitter. In graphics, you will have some example using the GitHub data on graphics, creating some connected components. Sorry, and Adam is for genomics data. So and yeah, for the core one, the MISC one, and some in the Viz one, is either some core Spark stuffs or some features that are included in the notebook and in visualization. Some visualization tools that you can use to build your representation of the data. So if you want to start a new one, you can go there and click on Apache Spark, and it will create just a simple page where you have a menu and an icon which is broken because I'm not an artist. I didn't create an icon first. And but the broken image reminds me that I have to do it. So then I have a block where I can type some code with completion. Spark context is available, right? So if I do get conf to debug string, we have the configuration of Spark. So in less than 5 minutes, I think, I have Spark installed and usable already. With a local setup, of course, but still, it's faster than downloading a tar and then building the thing and so on and so on. So that can take some time. And then you have the repo that you have availability. Here you have a web page with some reactive capabilities. If you want to
So here you can see that there is the Spark notebook that has been created there. So we can click on it and so on. We have a cluster tab, so you can connect to different type of clusters like Yarn, Mesos, and all those kind of skitterers. And if you want to create your own pre-configuration, there is this kind of wizard that you have to provide. Oh, shit. Not provide your shit. please. And so here you have a small wizard where you can provide some pre-configuration for your imports, your dependencies, like I want to import Yoda. The span configuration is just a JSON object that you have to provide, and that's it. Okay, so that means that every time you will create a notebook using these buttons, it will be pre-configured to access directly your clusters. So you don't have to bother with the configuration anymore. Okay, boom. So, so it's just a small example, but I do have a better example just for today. So I can go there, close this one, take the example here. Shit. First, go there. Then I can import it here. I can keep the name or change it, upload. It's not available on the list, right? So this is how you could share your work between people in the team. So I created a notebook. This thing doesn't work anymore, so I send you a notebook. You can execute in your local setup and then run it on the cluster if you like. This is how you could share it, but also you can put it in GitHub. And you have versioning, of course. So if I open this guy, thanks, Vincent. And so yeah, this is how it would look like if you have hidden all the outputs and all the inputs. So it's just some data exploration over the empty cars. It's a classical R data set in the CRAN. And so this is like the 101 data set for data analysis. And here I'm going to show what you can do with Spark and the notebook. So all the code has been hidden, so I can show them all. See? So that's an example showing how you could import extra packages to your Ripple, because it's running Ripple behind the scene. So you include new packages, it restarts the context, and it will add it to your Spark configuration to send the jars over the network. That's a painful thing to do in Spark. So it's handled thanks to this DP context. Anyway, so what we can do is just download some CSV file and put it into your temp. For this, the easiest way is to use wget. I don't want to bother with Java, IO, FileWriter, etc. So I will do it with a simple bash command, so wget in this case. And there is string input interpolation, so it uses my URL from this variable, and then it put it in my local folder using this variable. We can see the size, very huge. We can also look at the first lines of the data. Also quite painful to do in Java or Scala or whatever. So it's quite easy with a head, by the way. So we can see the headers, we can see the different lines that are available, at least the first two. For convenience, I put there the definitions of different columns. It's very simple. But then, okay, so we have the data, we looked at the form, we see, okay, it's a CSV. So now maybe I could use Spark to make use of my CPUs or my cluster. So to do that, I can just load the data using text file, because it's text file. Of course, it can be distributed over a network in HDFS, for instance. But there, and then it's a local file only. And since I already looked at the first line, I can start creating my types to extract the data out of the lines. So it just fancy, ah shit, actually you don't see anything, right? Better like this. Yeah, so I take the lines, I replace all the codes with nothing, and then I split by comma, and I string everything to list, and then I can create my data out there. Anything really fancy, but I created the ints, the doubles, where they are interesting. And AM is for transmission, and it's
automatic when it's zero and manual if it's one, actually. Right, so when I have these types and I've parsed the data using these types, right? Now I have a I have an RDD of car data. Okay, I used my type. I can count the data using Spark. That means that there I've used all my CPU to count 32 lines. Thanks. And when you want to do some data exploration, which is a very important phase when you do data analysis, you will generally try to have a sense using graphs. And graphs over millions of rows are very tough. So generally what you can do is take some samples out of it, trying to get a sense of the data using the sample. In Spark, it's quite easy. You just ask the data to take some sample, force meaning that you don't have replacement. It's okay for Bootstrap. Then I take only 55 rows and I put a seed for stability of the analysis. My sample, an array of data. Then, okay, now I have some data locally. So the data is no more distributed over the cluster. They are local. It's an array, not an RDD anymore. So I can plot a bar chart using, see, the name fields. So AM is a name fields of my car data. What is it? There. There. I use it in my graph plotting. Okay, I want a bar chart for my data, and I want to plot AM, MPG for AM. MPG will be the ordinate. No problem. Okay, so this is how you could draw some bar chart quickly. So in this case, it takes all the data and it creates a bar per category. If you want to plot this, the cylinders, same thing, bar chart, and you will have four cylinders, six cylinders, eight cylinders, and the number of and the MPG accumulated for all these cylinders, like machines, cars. If you want a line chart of the weight, the MPG by weight, you have the line chart available out there, and so on and so forth. So for the acceleration and so on. Now, we have a sense of the data. We plot some charts. We see that there are some variables that can interact or be correlated. So what you want to do is a bit of modeling. It's going to be very simplistic, because it's not the intent to do a very fancy data analysis in 15 minutes. But here I'm just running a linear regression with stochastic gradient descent. And for that, I can import my packages from MLlib, MLlib being the machine learning library from Spark. OK, so my libraries have been imported. I can transform my data to label point being a way to represent an observation in Spark. So you have a label being the data you want to predict or category, and then you have the features in a vector. It's a dense vector here because we don't have an ace. So this is how you would change your RDD to a RDD of label point there. And then you can tune your algorithm. SGD requires a bit more iterations than usual, so I put the number of iterations to 100, and the step size is quite big for the number of data that I have anyway. And to do that, I can just use the linear regression with SGD, and then I can set, okay, I want to have the intercept to be computed, so I don't want to have my go through the origin of the axis, and then I tune my algorithm saying, okay, I want 100 iteration, and the step size is 01. And then I can run my model. I take my label points, I put it in the run, and then I say, okay, if you want to put a prior in your algorithm, so you can say, okay, apparently the intercept can be somewhere around -5, for instance. So you can put a prior in your algorithm.
So you run it. So behind the scene is going to run one at a time the stochastic gradient descent on the data, and then it will create a model with the weight intercept out there. What you can do now that you have your model, you can use another library that I've integrated called WISP, and I've put a bit of DSL over it. And so using WISP, you can use the type plot error that takes a sequence of summary series, which are simply the data, WT being the weight and MPG being the MPG. And then, so I draw error, I will draw error the original data and error the predicted ones. I cheated a bit because I don't have enough data to be really accurate there. So error, I have my two lines plotted for the original data, being the blue one and the black one being the predicted ones. So this is more or less it for the notebook. And it's 28, so I'm not running out of time. I still have 2 minutes for questions. If you have, of course. Otherwise, I can still show other notebooks if you like. Who wants other notebooks? Okay, some. I won't run them because it will require some data to load it or local. I can show maybe streaming, Twitter. That's a classical one. It's like the word count of streaming data. So using the notebook, you can set up also where the downloaded jars become. Because for now it uses Maven behind the scene to download all the jars from the different repos. You can say, okay, I'm going to put them into my temp repo, so you won't have to download all the time if you redo the analysis. Then I can import some streaming packages, remove some of them because I don't want them to be packaged into the Spark context and send it over the network. It's not necessary, it's already there. I can provide some system properties out there for Twitter. Actually, it's required by the APIs, by the underlying APIs. And then I can start, okay, I can start a streaming context. I can put some filters, Spark, Scala, music. Music is because otherwise I wouldn't have enough tweets to be shown. Then I create a stream, and then I can filter the data by window. That means that I take my stream of data, it chops it to every 2 seconds, for instance, and I create window over 60 seconds, and I create an accumulated value or an aggregation of the data over 60 seconds. And then I can show also reactive outputs. That means that every time the Twitter stream will come with a new value, this UL, which is simply a list of values, will be replaced by the new one. So because it uses behind the scene RxJava, RxScala, and Knockout on the browser. So there are WebSockets between the two, and the server is sending data on the browser, and Knockout is taking them into account and updates the visualization automatically. I cannot show it because I need to set up my Twitter and so on. But it's fairly easy. Just take the Docker or whatever, or the zip file or the tarball, just install it, and then you can just run them using by first adding these properties to your environment there, because it uses this up there. Okay, so 31. I think it's okay now. I don't know how I could release. Thanks. Just one question. Yeah. Is it support Java code or only Scala? Only Scala. Only Scala. Because it needs a ripple behind the scene. Ah, good job. So, tu vas avec Vincent, c'est ça? On va les bouffer à bout. Ouais. Ouh là. On va les bouffer à bout. Voilà, ça fait. Hein? T'as ton cookie, toi? Non. Contrôle sur Mesos. Ouais, Mesos. Cool. C'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Je sais pas, c'est 17h30. 17h30, moi, je crois que tu vas revenir.
c'est la même salle, mais de l'autre côté. Ok. L'autre côté, l'autre couloir. Ouais, d'abord, on est 243, là. Ok, bah écoute. A plus, ah, ou une prochaine Twitter, ou Amsterdam, au pire, je sais pas ce que tu viens. Ou tu... je sais pas quand est-ce que je repasse, mais très bien. Amsterdam, tu iras bien pour Scalades, merde. Ah non, je fais ce qu'on allez, je fais ce qu'on oui. Non. Non, c'est que ce cas-là. En fait, le truc, c'est que pour Python, il y a déjà l'iPad notebook. Et comme ce truc-là nécessite d'avoir installé Python, etc., et ça prend un peu de temps pour mettre en place, j'ai créé ce truc-là qui est full scanner. C'est JVM, disons. Comme ça, je peux le starter en attaquant le doigt. Quoi. Ah, n'importe qui est JVM peut démarrer en deux secondes, ah, pardon, tandis que sinon il faut installer un peu de système à votre workflow. Maintenant, on peut en mettre par des comptes de faire aussi. Voilà, vous voyez. C'est pour ça que je vous pose des questions. Ah, je suis presque. Il y a de la flotte, vous là. Mais il y a quelle année celui-là? Mais c'est un 32 gigas. C'est du 32 gigas. Et il ne veut pas plus de jeux. Oui, tu veux. C'est sûr. Donc, qui parle? Nous deux. Eux. Ouais. Prenez celui-là, là. Prenez celui-là, micro. Ouais. Comment je switch sur... sur mettre l'écran, là? C'est automatique. Je suis là. Vous êtes là. Vous êtes notre Dieu pendant 5 minutes. Donc là, on est en VGA. Voilà. Et j'ai rien. Il ne l'a pas pris. Vous mettez le double bureau. Je mets le double bureau. Enfin, je sais pas comment vous travaillez. Moi je mets en direct. Non, mais on recopie direct. En recopie vidéo. Ouais. Tu l'as pas la recopie? Ah non, elle y est pas parce que si on n'a pas la bonne image, c'est moniteur. Je crois. Disposition, je recopie. Voilà. Donc, attendez, c'est celui-là qui est. Ouais. Micro, toujours posé. On parle toujours que le son rentre là, voilà. Mais si c'est pas comme ça, si ça fait un son. Ok. J'ai du mal à supporter. Précis. Bonjour à tous. Bonjour. Bien. On va vous parler de latence applicative et de streaming API. Je m'appelle Nicolas Babel. Alain Denis. On travaille chez streamdata.io, on est éditeur de logiciels grenoblois et notre mission depuis 6 ans est d'optimiser à la base de logiciels le transfert d'informations vers des applications surtout mobiles mais aussi web pour faire en sorte qu'elles soient le plus réactives possible. Aujourd'hui, on va vous passer un peu notre savoir sur ce qu'on a appris sur la latence applicative et les API streaming. On risque de parler un peu vite parce que le sujet est un peu dense et nous n'avons que 15 minutes. Donc accrochez-vous bien. Globalement, pour entrer dans le vif du sujet, quand vous mettez votre pied comme ça sur une épingle, votre cerveau est capable de réagir en 100 millisecondes. Parce qu'on parle au cerveau reptilien et face à la douleur, vous avez une réactivité, un réflexe de 100 millisecondes. À partir du moment où vous avez des réflexes qui nécessitent un peu plus de réflexion, on arrive à 500 millisecondes de réflexe. Donc le réflexe de mouvement entre 100 et 500 millisecondes. L'autre interaction que votre applicative et l'autre latence que vous avez qui est extrêmement importante pour vous, c'est la latence que vous avez avec les autres êtres humains. Quand vous posez une question, quelle est la rapidité moyenne de réponse à cette question? Des études anglaises et suédoises montrent que sur une question fermée, la rapidité de réponse est de 100 millisecondes. Sur une question ouverte, la rapidité de réponse est de 500 millisecondes. On retombe sur les mêmes chiffres. Et comme la nature est ultra bien faite, il se trouve que notre cerveau, notre mémoire sensorielle la plus forte, celle qui enregistre quasiment tout ce qu'on voit tout le temps, a une latence, elle aussi, incroyable, de une demi-seconde. Au-delà de la demi-seconde, on commence à attaquer sur d'autres types de mémoire, comme la mémoire court terme ou la mémoire long terme, et c'est tout de suite beaucoup plus d'efforts pour votre cerveau, et quelque part, une certaine gêne, parce que votre cerveau a été construit pour à nouveau répondre en une demi-seconde. Donc, en termes de mouvement, en termes verbal, en termes auditifs et votre mémoire, et tout est branché chez nous pour réagir à la demi-seconde. Conclusion, quelle est la meilleure latence applicative possible pour vos applications? Merci. Pas beaucoup qui suivent. Une demi-seconde.
En dessous, on est dans l'instantané, c'est cool, c'est pratique, on se fait plaisir, mais ça ne sert strictement à rien. La demi-seconde, c'est là où vous allez créer réellement du sentiment. On n'oublie pas qu'en fait, le sentiment se crée au niveau de votre inconscient, et c'est ça le plus important. Avant de réfléchir, vous avez déjà eu un sentiment. Quand je vous ai montré un pied sur une épingle ou un bébé, naturellement, vous avez tout de suite eu un sentiment, un début, entre guillemets, de douleur et un début de tendresse pour le bébé. C'est ce sentiment qui se crée directement avant même votre réflexion. Donc pour atteindre du sentiment avec votre application, c'est la demi-seconde. Votre utilisateur à une seconde ou à deux secondes, il n'aura pas une grosse impression d'attente. Mais par contre, il y aura tout de suite un impact sur l'usage qu'il fera parce qu'il aura moins de sentiments. Au-delà, on commence à perdre des clients et après 10 secondes, bon, bah, on n'en parle même plus. Quand vous êtes aux alentours d'une de deux secondes, il y a beaucoup d'études qui ont été faites de 2010 à 2012, en gros. Après, on n'en parle plus beaucoup, peut-être parce que les gens ne veulent plus partager le savoir là-dessus. Faites par eBay, faites par Walmart, par Google et plein de personnes qui, grosso modo, arrivent toutes à une règle simple. Quand vous êtes aux alentours de 2-3 secondes de latence applicative, si vous augmentez cette latence de 100 millisecondes, vous allez perdre 1% du chiffre d'affaires généré par votre application et 5% de pages vues. C'est énorme pour 100 millisecondes. Aucun d'entre vous n'est capable de déterminer que cette page se load en 1 seconde ou 1 seconde,1. En revanche, votre inconscient, lui, il a fait la différence. Et c'est ça qui joue, en fait. En janvier 2014, il y a eu un big bang dans l'usage. C'est la première fois que l'usage, le temps moyen passé derrière un mobile, dépassait le temps moyen passé derrière un PC. Et pour rien arranger, quand on compare les latences qui sont au niveau de l'ADSL, on est à plutôt 25 millisecondes. Par contre, les latences moyennes sur 3G, on est déjà à 150 millisecondes. Donc ça, c'est une latence, un round trip, un aller-retour. Vous mettez du HTTP, vous doublez le round trip, donc on arrive à 300 millisecondes. Donc on n'a rien fait. Et on a la première donnée utile en 3G qui est déjà à 300 millisecondes. Alors tous nos espoirs sur la 4G ont été amoindris, puisqu'en fait la 4G va énormément améliorer le débit. Mais quand on regarde et qu'on compare la 3G et la 4G, c'est mieux, mais c'est quand même pas top, parce qu'on mettra plus de temps à échanger en 4G que de traverser l'Atlantique. Donc l'effet qu'on a tous connu derrière nos mobiles, c'est cette latence. Et comme l'a expliqué très bien Nico, ça perturbe. Donc pour éviter de monter des usines à gaz dans nos applicatifs, c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et c'est un problème complexe, parce qu'il y a plusieurs composantes liées à la performance des applications. Il y a effectivement la perception humaine, et c'est un point important. Il y a le débit, la latence, mais il y a aussi la manière dont sont architecturées les applications. Donc le nombre de requêtes, par exemple, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui connaissent des petits tweaks pour compresser, par exemple, les scripts, pour minimiser le nombre de requêtes. Mais en tout cas, c'est un problème qu'il faut prendre à la racine et prendre en compte les contraintes qui sont liées au réseau mobile et qui sont différentes de la DSL. On parlera aussi des protocoles un peu plus tard, mais il y a des nouvelles choses qui vont apparaître et qui méritent toute notre attention. On a parlé de latence applicative, le temps d'afficher quelque chose de statique. Il y a un autre élément dans votre cerveau qui est super important, c'est votre attention à tout ce qui est dynamique. Globalement, depuis très très longtemps et des millions d'années, depuis qu'on est des lézards, ce qui bouge dans la nature est soit de la nourriture, soit vous êtes potentiellement sa nourriture. Ce qui veut dire que depuis des millions d'années, si on est là aujourd'hui, c'est que notre cerveau a intégré dans notre premier réflexe la capacité à porter une attention à ce qui bouge et à réagir en fonction de ça, voire à commencer à interpréter l'action que vous allez devoir faire en fonction de ce qui bouge. Donc face à une image comme ça, même si c'est complètement con, même s'il n'y a rien du tout, on a une attention et on a pas mal d'entre vous qui restent les yeux fixés là-dessus alors que ça n'a juste strictement aucun sens. Juste parce que ça bouge en fait. Et donc on a cette opportunité pour améliorer le sentiment que crée une application de rajouter des choses qui bougent. Heureusement, le monde en fait est de plus en plus dynamique. Il y a quelques années, les seuls qui avaient quelque chose de dynamique à faire, qui avaient une interaction extrêmement forte au temps, c'était les traders. De plus en plus, en fait, cette image, on pourrait la projeter et s'imaginer qu'une Quadra dans le métro le matin sur son mobile est en fait exactement dans la même situation lorsqu'elle fait des achats sur vente privée alors qu'il y a un stock limité. C'est exactement la même chose. De plus en plus, on est confronté à des choses dynamiques pour plein de raisons. Et donc vous avez l'opportunité dans vos applications web ou mobile à nouveau, ou objet même, d'afficher quelque chose de dynamique. Alors quel type de données on peut imaginer? Au tout départ, on avait essentiellement des codes de la bourse, voire les paris en ligne, parce que finalement le pari en ligne c'est exactement comme du trading. Et on a plein d'autres choses. Si Twitter s'est mis à faire des applis en streaming, c'est bien parce qu'on veut pouvoir fournir rapidement des évolutions des statuts sociaux et ça va créer de l'addiction à l'application que vous êtes en train de regarder. Des propositions de recherche, on verra l'exemple Google, il y en a d'autres.
tout ce qui est information et news, de plus en plus, le petit bandeau que vous voyez quand vous regardez, si vous regardez BFM et ce genre de choses, on peut le faire assez simplement à partir du moment où on aura de l'information dynamique de disponible. Les stocks de ressources limitées, ventes privées, ça aura un impact immense sur leurs achats si au fur et à mesure que vous êtes sur une page, vous aviez le stock réel de quelque chose qui est en train de diminuer alors que vous êtes devant. Si les vendeurs depuis longtemps vous expliquent « Ouh là là, il ne m'en reste plus que 3 en stock », c'est bien parce que ça pousse à l'achat. Il y a d'autres choses aussi, Blablacar, le car sharing. La quantité de ressources en fait finalement disponibles est extrêmement fine. Combien je vais avoir de personnes qui font du car sharing entre chez moi et l'endroit où je veux aller ? 1, 2, 3 maximum. Et donc être capable de pousser l'information tout le temps quand l'utilisateur est devant sa page sur est-ce qu'il y a oui ou non une voiture disponible est extrêmement important. C'est pour ça que des gens comme Karma, c'est l'équivalent de BlaBlaCar aux États-Unis, sont en train de développer des API en streaming. Le prix aussi, quelque chose qui change par rapport à il y a 30 ans, c'est des éléments qui sont dynamiques. Des dashboards, qu'on regardera plus intensément. Des inputs de travail collectif, c'est souvent ce que disent les gens comme Firebase, etc. Mais il y a plein d'autres choses dynamiques. Donc les inputs de travail collectif, c'est le chat, le dessin, des Google Sheets, ce genre de choses. Et dans les infos de jeu en ligne, qu'est-ce qui est plus agréable quand on regarde un tableau de classement de joueurs que d'avoir réellement les points qui se mettent à jour petit à petit. Si on ne le faisait pas encore énormément, c'est que c'est des choses qui sont finalement relativement compliquées. Alors on va regarder ce que font les grands. Donc on a pris trois exemples assez différents, mais qui dénotent bien d'une tendance. Donc le premier, c'est Netflix. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Netflix. Un petit sondage rapidement. Netflix. Ok. Donc Netflix, en gros, c'est de la vidéo à la demande. Leur problématique au niveau de la UI, c'est de présenter en fait des listes personnalisées qui sont poussées à l'utilisateur par rapport au film qu'il a déjà regardé. Donc ils sont tombés sur un problème qui était lié en fait aux limitations de HTTP. Et donc ils ont mis en place un certain nombre de choses plutôt bien faites. Donc je vous invite à aller voir la présentation de Jafar Hussain. C'est l'inventeur en fait du protocole Falcor qui a été initialement développé à Netflix. À la base pour la PS3, et au vu des performances qu'ils ont réussi à atteindre avec ce protocole et les API qu'ils ont mis en place, la plupart des équipes clientes de Netflix l'ont adopté. Aujourd'hui, c'est un protocole qui sert plusieurs millions de pages. Et en gros, le constat, c'est il faut qu'on affiche des listes de listes. Donc on va définir notre modèle en JSON, avec une flavor de JSON pour gérer du graph. Et avec cette mise en place d'un protocole spécifique qui permet de s'abstraire des problématiques de HTTP, donc en fait ils vont réussir à multiplexer différentes requêtes JSON sous une même requête HTTP. Et avec un jeu de cache plutôt bien fait, il y a un cache serveur et un cache client, et en fait l'API abstrait complètement pour le développeur de la UI par rapport à sa requête, où va aller la donnée. Donc si la donnée est directement disponible dans le cache local, ils fourniront les données en local, et si ce n'est pas le cas, c'est le serveur. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, c'est super intéressant. Ça dure 1h30, mais ça vaut le coup, franchement, parce que Netflix fait plein de bonnes choses, et en plus ils ont l'intelligence de le partager, donc faut pas s'en priver. Google, la page de recherche de Google, il n'y a quand même pas beaucoup plus sec en fait comme interface, mais ils ont imaginé le service où on était capable d'aller mettre en fait, commencer à faire une recherche et d'aller afficher les recherches potentielles. On remarque dans cet exemple qu'on ne nous affiche pas du tout les recherches les plus recherchées en fait. Hein. C'est un autre débat. Et pour faire ça, rapidement, ils ont développé Speedy, un protocole propriétaire en fait au départ, qui va se transformer en HTTP2, et ils ont été jusqu'à développer leur propre protocole pour réussir à faire ça extrêmement rapidement. À nouveau, parce qu'ils ont compris depuis un certain temps que 100 millisecondes, ça leur faisait perdre 5% de pages vues de recherche, et 5% de pages vues, pour eux, c'est quasiment directement 5% de revenus, tout simplement. Donc ces gens-là vont jusqu'à développer leur propre protocole pour le faire. Twitter, lancé en octobre, Fabric d'Otayo, on est sur des streaming API, à nouveau, l'objectif, alors eux, ils ont fait ça en long polling, l'objectif pour eux, c'est de vous fournir plus facilement la capacité d'afficher les données qui viennent de Twitter de façon dynamique. Ils ont encore des limites, parce que je crois qu'ils limitent ça uniquement à... On conseille fortement de ne pas le faire sur du mobile, mais que sur du Wi-Fi, parce qu'ils n'ont pas encore réussi à franchir totalement les difficultés que représente le fait de faire une API en streaming, en fait. Après, il y a des standards qui sont en train d'émerger. Alors, je ne sais pas si vous connaissez JSON Patch, mais c'est encore un bon sujet à regarder. En fait, c'est la capacité de pouvoir appliquer sur un document de JSON des patchs
Donc c'est des mises à jour et ça peut être intéressant si on souhaite envoyer sur le réseau uniquement la donnée utile qui est échangée. Donc on a un document JSON et on peut envoyer des listes d'opérations, donc c'est ce qu'on voit le patch. Donc c'est les verbes plutôt standards crudes. Et en fait on va définir sur quelle partie du document, sous la forme d'un path, on va vouloir changer la valeur et on met à jour la valeur et donc on obtient un résultat. Donc ça c'est un RFC qui est disponible et c'est une manière élégante de pouvoir mettre à jour dynamiquement une vue en envoyant uniquement la donnée utile. Si on regarde un petit peu aussi les protocoles, bon, il y a dans le passé beaucoup de choses qui ont été faites soit par du polling ou du long polling, c'est une manière un peu plus efficace de faire du polling, mais ça reste quand même un hack. Je pense que certains d'entre vous ont eu la joie et le bonheur d'implémenter des iframes infinis, etc. Donc c'est pas hyper élégant. Mais bonne nouvelle, l'industrie prend conscience et on voit émerger un certain nombre de protocoles. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent WebSocket, c'est peut-être moins vrai pour SSE. En gros, WebSocket, parmi ces trois, c'est le seul protocole qui vous fournira un lien bidirectionnel. Donc, c'est-à-dire que votre serveur sera en capacité de pusher au client, mais le client, au travers de la même connexion, pourra également envoyer des données au serveur. C'est un peu plus difficile à mettre en place parce que ce n'est pas du HTTP. Donc, la première requête reste du HTTP, mais on bascule sur du WebSocket. Donc, après, au niveau de l'application web, ce que vous avez, c'est une socket, au même titre qu'une socket web. Et du coup, il faut réimplémenter un protocole d'échange de messages par-dessus. Ce qui n'est pas vrai pour SSE, qui est moins connu, mais qui est une recommandation W3C. Donc, ça commence à monter un petit peu. Et donc là, ça reste sur du HTTP. Par contre, c'est unidirectionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est le serveur qui va pousser vers le client. L'inverse n'est pas possible. Enfin, n'est pas possible au travers de SSE. Mais après, vous pouvez réutiliser du HTML request standard. L'avantage de SSE par rapport à WebSocket, c'est que il y a différents mécanismes de reconnexion qui sont déjà implémentés, ce qui n'est pas vrai pour WebSocket. Et en plus, il y a des mécanismes de reprise après erreur, c'est-à-dire qu'il va renvoyer le dernier ID de l'événement qui a été envoyé pour reprendre le flux s'il y a une coupure au milieu. Après, en termes de compatibilité entre les browsers, WebSocket est quand même un peu plus adopté. Par contre, il est facile d'implémenter des polyfills avec des mécanismes de fallback de type long polling si votre browser IE, pour ne pas les nommer, par exemple, ne supporte pas. On ne peut pas résister à la tentation de vous faire une petite démo parce qu'on adore ce qu'on fait et elle est relativement cool à voir. Ça va être rapide. La bonne nouvelle du jour, c'est que mettre en place vous-même des WebSockets, du long polling ou du SSE ou même du JSON patch, c'est pas forcément nécessaire parce que vous avez tous dès maintenant à disposition toutes les API de Paul JSON qui existent. En fait, elles sont déjà disponibles en streaming. On va prendre l'exemple d'Uber. Uber, c'est, j'espère que vous connaissez tous, en gros du taxi, mais par des particuliers. Et on va taper une de leurs API qui renvoie le temps d'attente des produits Uber. Donc, je vais prendre juste l'exemple. Donc là, grâce à la latitude et à la longitude, je définis où je suis, je mets ma clé serveur. Et on va juste aller regarder ce que ça donne, le polling classique. Si le Wi-Fi n'est pas gentil, je ne vais pas aller jusqu'à la démo alors. Je pense que je n'ai pas de Wi-Fi ici. Arg. Non, je n'ai pas. Alors une présentation sans effet de la démo, ça n'aurait pas été une vraie présentation. Ouais. Quand je pense qu'on l'a fait il y a 10 minutes. Bon, bref, on ne va pas la faire alors. Je vous invite fortement à venir nous voir et à vous montrer comment, sur une n'importe quelle API, en fait, on arrive à la transformer juste en rajoutant devant l'URL de votre API. On rajoute proxy.streamdata.io et le résultat que vous allez maintenant avoir sur le site web, sur Curl, sur l'application que vous voulez, ce sera directement des push de notre serveur à nous qui pôle pour vous l'API et qui push tout ce qui échange vers vos applications. En JSON patch. En JSON patch. Donc venez voir ça, c'est cool. En conclusion, désolé pour cette démo, quelques éléments. Donc on se rappelle, l'objectif une demi-seconde, c'est là que vous créez du sentiment.
Ne vous attendez pas à ce que vos utilisateurs vous disent « Ah, oh, c'est lent à partir de 1 seconde 5, c'est pas vrai, tout ça est inconscient et c'est fini de demander l'avis à vos utilisateurs. » Deux, mettre des données dynamiques, parce qu'on est tous branchés et construits pour aimer ça. Et trois, plus les grands font des UI super cool, plus la vôtre est pourrie. Théorie classique de la relativité. Et quatre, venez nous voir au stand 23, au moins pour qu'on puisse vous faire la démo avec un bon Wi-Fi. Merci pour votre attention. Merci. Pardon ?